Franzose können, nur Deutsch. Nur Deutsch, nicht wieder Franzose. Sind uns mit Gewalt ins Dritte Reich kennt. Uns gezwungen, Deutsch zu reden, ihre Kultur zu benutzen. Wenn uns noch dann wollen, Frankreich vergast, dann weiß ich auch nicht. Salut Pinanter et bienvenue à Gno. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la fierté de vous présenter un réalisateur alsacien. Il s'appelle Benjamin. Il est très courageux puisqu'il a fait un très beau film sur la Deuxième Guerre mondiale et sur l'histoire des Malgré nous. Oui, c'est ça, oui. Donc, vraiment, c'est un film hommage aux Malgré nous, aux soldats incorporés de force alsaciens et mosellans. Et donc, tu as fait ça aussi, ça t'est venu pour rendre hommage à tes grands-parents. C'est ça, l'initiative, c'était vraiment pour raconter l'histoire de mon opa. Et vraiment pour rendre hommage à mes grands-parents et puis à toutes ces familles alsaciennes qui ont vécu malheureusement cette incorporation forcée. Comment est-ce qu'elle t'est venue cette idée? L'idée est venue déjà à l'âge de mes 12 ans où j'ai commencé à écrire un scénario par rapport à ce que ma grand-mère me racontait. Okay. Et du coup, j'ai dû attendre d'avoir un petit peu de financement pour pouvoir le réaliser. Et aujourd'hui, j'ai la fierté de le montrer enfin dans les salles. Et puis avec bonheur, on a eu des super retours. Uh-huh. Moi, je lis tous les jours des mails et des messages de personnes qui... Et ils m'envoient franchement des témoignages de leur histoire, qui c'est totalement bouleversant et chaque histoire est différente, mais elle se ressemble par rapport à cette histoire commune des Malgré nous. Donc tu as fait beaucoup d'interviews de tes grands-parents, ça je pense que ça a dû te rapprocher incroyablement. Ouais. Non, c'était vraiment pour moi c'était des livres ouverts. Hein. Ma grand-mère quand elle me racontait l'histoire du Houpa, je la sentais très émue quand elle me racontait cette histoire et je sais que moi je me suis dit d'accord, le film doit être dans cette même trame-là, c'est-à-dire finalement il faut laisser l'émotion paraître. Bon, tu m'as vraiment donné envie de voir ce film avec toi. Je pense que là il y a une projection pour nous, non? Oui, c'est ça. Donc il y a une projection prévue. Venez avec nous. Bonsoir. Vous avez vu l'heure? J'avais pas de montre. Alors. Brigitte, ça suffit. Ça commence. Was ist passiert? Dis-moi, t'en as pensé quoi, Steve? Écoute, pour moi, ce film, il est fort. Parce qu'il y a vraiment de l'émotion, je l'avais dit à Benjamin déjà, c'est quand on le regarde, on se sent vraiment avec eux, avec ce que les Malgré nous ont vécu à l'époque. Ce que je retiens de ce film, c'est la mémoire que Benjamin a réussi à faire passer, qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé à l'époque, avec nos grands-parents qui ont vécu ça en vrai. Oui. Et ça sensibilise vraiment les gens qui le regardent. Eh mais, dites-moi. Ah bah voilà. Je vous reconnais, vous. Vous étiez dans le film, vous étiez acteur, non? C'est ça, oui. Ah, j'adore, je vais avoir une dédicace. Bon, alors, dis-moi, non, en plus, c'est tes amis. C'est ça, oui, c'est des amis d'enfance également, on peut le dire, mais des amis, voilà. Est-ce que, par exemple, votre entourage vous a fait des commentaires par rapport au rendu final? Alors oui, mes parents ont vu le film. Donc ils étaient très impressionnés. C'est aussi une histoire de mon grand-père, oui. Donc il y a eu beaucoup d'émotions. Et c'est surtout ça qui est ressorti le plus. Quoi. Au final, qu'est-ce qui est le plus dur à faire passer quand on est acteur, comédien? C'est l'humour ou c'est justement la tristesse, le recueillement? C'est clairement ce côté triste qui est difficile à transmettre et à faire paraître à l'écran. C'est pas des sentiments qu'on a au quotidien, donc c'est vrai que voilà, il faut vraiment le faire ressentir. Ok. Bon, nous on est bien là, tous les cinq là, on est merveilleux. En tout cas, merci les garçons de m'avoir fait partager votre univers. Et puis Benjamin, bravo vraiment pour cette réalisation en l'honneur et en hommage à ta grand-mère. C'est vraiment top. Merci beaucoup en tout cas et merci pour ce moment de partage. Merci beaucoup. Et nous, on va rester un peu ensemble et on se dit mort et à bientôt. Alors dis-moi, en tant que spectateur, qu'est-ce que tu retiens? Attends, vas-y, descends un peu là, parce que là, il a la tête en mode fou rire là. Je contracte assez le muscle là. Hein. C'est à quel moment qu'on s'embrase dans le truc? Moi, je suis venu pour ça, les gars. Dans le prochain épisode, Delphine se rendra chez Patricia, une fabophile qui possède une collection de plus de 35 000 pièces.